ce qui est spectaculaire, c'est justement qu'on soit toujours obligé de mentionner qu'une femme ou une femme transgenre fait ceci ou fait cela. Bonjour, je suis Célène Tonon. Je suis ingénieure en développement logiciel et désormais enseignante. Et je suis conseillère municipale de la ville de Rennes, déléguée au musée, à la lecture publique et aux cultures ludiques. S'il y a une fierté, en fait, c'est celle d'avoir survécu ici pour le dire et pour en parler. Mais si je suis la première femme transgenre, probablement en tout cas élue à la mairie de Rennes, je ne suis certainement pas la dernière. Le principe, c'est que quelque part, j'en parle aujourd'hui pour plus avoir à en parler. Et c'est un sujet pour que ça n'en soit plus un. Ce qui est spectaculaire, c'est justement qu'on soit toujours obligé de mentionner qu'une femme ou une femme transgenre fait ceci ou fait cela. On oublie complètement les combats politiques qui sont portés derrière et le fait que c'est cette discrimination en particulier qui est le cœur du problème. À titre personnel, dans le quotidien, non. C'est une chance. C'est une chance que j'ai parce que quand je me promène dans la rue, les gens ne le remarquent pas. Et on me dit de temps en temps, parfois, on croit me faire un compliment en me disant « Ah, mais vous, ça ne se voit pas ». Pourquoi est-ce que ça devrait me faire plaisir que ma différence ne se voit pas? Ma différence, elle est là et je la porte et ça fait partie de moi. C'est une cohérence non pas de mon parcours de transition, mais d'un engagement politique qui naît aussi des violences que j'ai pu subir et des discriminations que j'ai pu subir. La discrimination, forcément, quand on la vit, quand on se regroupe en collectif, ça politise et ça permet de mieux voir justement la structure de la société et comment elle empêche pour certaines catégories ou d'autres de la population l'accès aux mêmes droits que tout le monde. C'est en travaillant aussi avec Nathalie Appéré que j'ai pu comprendre que le combat municipal était aussi une possibilité d'agir localement pour améliorer l'accès de toutes et tous aux infrastructures, aux équipements municipaux, etc. Là déjà, si j'ai une fierté justement, c'est d'avoir pu porter la gratuité du parcours permanent du Musée des Beaux-Arts et des bibliothèques. L'idée, ce n'est pas seulement une idée de justice sociale, c'est aussi une question d'accès, de service public. On n'envisage pas sa visite au musée de la même façon si on doit planifier tout son après-midi et rentabiliser son billet d'entrée ou si on peut s'approprier vraiment l'équipement lors de visites plus ponctuelles. Idem pour les prêts en bibliothèque. Ça permet aussi de casser, de contribuer à casser avec de la médiation, avec la formation des agentes et des agents, avec une refonte de la communication, de casser les violences symboliques qui empêchent justement ou nuisent à l'accès de chacune et chacun des équipements publics.